visite sur le stand de Dupla avec la gamme Dupla Marin qui est complètement refaite. Premier corner où on découvre le Reformer, donc ce qui est une colle ciment à prise rapide, sans risque pour les coraux, qui permet aussi de coller votre décor, vos roches. Donc très pratique à l'utilisation. Moi qui fais mes décors pour les nanos, notamment en collant les roches qui s'empilent, je me sers de ce type de roche, de colle. De ce côté-là également, la Dupla Marin Dosing Box, donc qui est constituée de 4 compartiments d'un litre et demi, mais au format compact, donc ce qui permet de l'intégrer facilement dans un meuble. Il n'y a pas de perte de place, les compartiments sont plutôt en hauteur, donc ce qui est assez pratique dans les bacs avec une longueur qui est un peu plus petite. Ici, cuve d'exposition avec les nouveaux écumeurs qui travaillaient précédemment avec Skims. Maintenant, ils ont fabriqué leur propre écumeur, donc avec une pompe d'essai qui permet un réglage plus finement et un fonctionnement généralement plus silencieux. Avec trois tailles, on voit un compartiment également séparé pour le silencieux et pour la prise d'air. Trois modèles et un godet avec évacuation pour exporter l'écume lorsque vous n'êtes pas là par exemple. Et également, pour les possesseurs de plus petits aquariums, un modèle compact qui s'accroche à un hang-on skimmer. Donc il peut être pratique sur les bacs avec notamment un compartiment arrière sans décantation. Autre nouveauté, un produit qui est à la mode, les décantations en acrylique qui ont l'avantage d'être plus légères, plus compactes et qui permet d'avoir toutes les caractéristiques dont on peut attendre, à savoir un réservoir d'eau osmosée qui est optimisé, un compartiment classique de pompe de remontée avec un niveau à réguler avec une osmolation, des supports pour tuyaux pour vos tuyaux de dosage pour éviter qu'ils se déconnectent, les écumeurs de la marque qui rentrent parfaitement dedans, un compartiment de descente avec des filtres, avec des socles pour les filtres mécaniques. Donc il y a trois modèles disponibles, et ce qui permet d'avoir ce qu'il faut pour la taille de votre aquarium. Dernière nouveauté qu'on va vous présenter ici, la mise en mouvement de l'eau, aussi bien les pompes de brassage que les pompes de remontée. Il y a trois modèles de pompes de brassage modulables avec des modèles 3000, 6000, 9000 et 18000 litres-heure, avec un boîtier qui permet de contrôler la vitesse maximale et le pulse. Et de l'autre côté, trois pompes de remontée de 4000, 6000, 9000 et 12000 litres-heure avec les couleurs de la marque, donc le rose et le noir. Et qui sont également d'essai, donc réglables à partir du boîtier qui est très simple avec des paliers de puissance différentes. Donc là, difficile de mettre toutes les données spécifiques pour chaque élément. On va essayer de faire un article très détaillé qui vous donne l'ensemble des détails si un modèle vous intéresse.